Jedi. Salut à tous, salut les gamers, c'est ZDB99 ou SuperGame3000. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, pour ma première vidéo où je joue en multijoueur dans Red Dead Redemption. Donc par contre, je vous préviens d'avant, je vais me faire buter car je suis au niveau 1. Un niveau qui s'appelle également demi-portion, c'est le niveau demi-portion, oui, c'est le nom du niveau... pas le niveau des difficultés comme des niveaux... Genre niveau 1, niveau 2 et tout quoi. Et donc j'ai presque rien, j'ai presque pas d'armes, j'ai même pas la jauge de sang froid parce que, hein, comme je vous l'ai probablement déjà expliqué dans des précédentes vidéos, j'ai une session où je peux jouer. Justement, la session que j'avais fait en premier et où j'ai toutes mes données de solo, etc., mes armes et tout, c'est celle où je peux pas jouer en ligne. Et donc, quand je joue en ligne, je joue sur celle où je peux jouer en ligne et donc celle qui n'a aucune donnée solo. Et donc, ce qui fait du coup pas que j'ai un niveau pourri et donc je me fais buter en rien de temps. Du coup en mode en ligne. Hein. Je vais me faire buter pas mal de fois je pense dans cette vidéo. Parce que en fait c'est sûr que je suis beaucoup plus fort en solo qu'en ligne. Car en ligne, du mon niveau où je suis, après je sais pas pour les autres niveaux, mais dans le niveau où je suis, j'ai pas la visée auto, j'ai pas le sang froid et j'ai que deux armes, c'est tout. C'est galère quoi. En plus les gens ils essaient toujours de me tuer quoi. C'est sûr que ce qui est saoulant c'est que j'ai pas mon sang froid quoi. Ok, peut-être j'ai pas la visée auto, mais au moins si avec le sang froid en multijoueur ça serait déjà plus facile. Hein. D'ailleurs là normalement je crois que j'ai un ami en ligne de la PS3. Pas un ami qui fait partie de mes abonnés, un ami à qui j'avais envoyé une requête de amis qu'on joue en multijoueur une fois. Hein. Non bref. Voilà, SuperGamer78300, je suis une demi-portion, je sais pas si vous le voyez sur l'écran. J'espère que oui. Alors, je vais voir sur la carte. Ouh là là, il y a un mec pas trop loin là. Tout là-bas. Au sud à peu près. Il est mort? Ok, il est... Ah si. On dirait qu'il y a la visée auto. Je vais crever. Parce que surtout, je pense que sur Internet aussi, il doit y avoir des mecs balèzes, hein. Genre des gens qui se mettent à jouer 24 heures sur 24 et donc qui me tuent en rien de temps. Oh punaise, qu'est-ce qu'il fout? C'est quoi, je vais mettre dans la cabane. Ah là là, je sais pas si vous voyez sur le radar. Non, j'ai pas vu. Oh, quel handicap. Je vous dis, je suis pourri en multijoueur, donc je vais réapparaître maintenant. Alors, le. Oh là 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 là. Bon. Faire quoi? Est-ce que en mode multijoueur, on peut acheter. Alors, comment dire? Est-ce qu'en mode multi, on peut acheter des armes? Oh non, non! En plus, il y a la justice qui me poursuit, même quand je joue en multi! Le monde me déteste. Le monde entier me haït, je pense. Oh non, ils vont pas tuer ma monture, quand même. C'est méchant, ça. Mais viens, ma monture. Mais ma monture faisait que de me fuir. En plus, genre, je courais après ma monture. Genre, j'appelais ma monture. Ma monture est venue. Ma monture, c'est une espèce de zèbre qui avance à 3 à l'heure. Et ma monture, au lieu de me laisser ni monter dessus, eh ben, elle s'enfuyait. Genre, à chaque fois que je suivais ma monture, ben, elle se barrait. C'est quoi? Je vais prendre son cheval à nuit, là. Non, mon cheval, reviens! Tempi. Alors... Non, je vais pas le tuer, j'ai pas envie de me faire buter. Et surtout, je demande pas à des gens de m'accepter dans leur groupe, hein, car la plupart des gens à qui j'ai demandé ça, eh ben... ils m'ont buté. Oh non, 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 il y a un mec, là, il vient de tuer l'autre en face. Qu'est-ce que je vais faire?
Au moins, vous voyez, j'ai pas de problème de connexion réseau car je suis par câble, hein, mais bon, ça n'a exactement aucun rapport. Punaise, il meurt pas! Oh non, il a utilisé un code de triche! Ah non, c'est parce qu'il a quitté la session, c'était marqué à côté. Bref. Ah, il a disparu. Alors. Surtout là, en fait, je suis au Mexique, en fait, voyez. Alors. Que j'ai gagné un cheval. Ce qui m'énerve, en fait, vous voyez, à chaque fois que je tire, du coup, les chevaux, ils s'en foutent. Donc, du coup, bah, quand je tire sur un mec pour gagner son cheval, bah, après, du coup, son cheval, il va s'enfuir des règles. Donc, écoutez, où est-ce que je veux aller? Là où il y a tes mes copains. Recocole. Non, ça va. Je vais aller, c'est Queen. Ok. Je vais aller le voir. Parce que c'est mon copain. Même si je le connais même pas, mais bon. Je déconne. Alors j'espère que ce chèvre... Ah non, non, c'est pas une chèvre. Je sais pas ce que c'est. C'est un âne. J'espère qu'il va pas s'enfuir. C'est bon, il s'est pas enfui. Donc je vais me diriger vers ma destination. Alors... Regardez la vitesse de ces machins. C'est du foutage de gueule. Je vais aller vers machin bidule. Je vais venir dire à que bonjour en espérant qu'il ne me tue pas. Oui, où là? Part. Je suis là. Bon bah écoutez, il m'a pas vu. Hein. Même si je vise à la tête, est-ce qu'il va mourir hein? Voir c'est un mec. Oh non. Ah c'est bon. Je croyais qu'il utilisait un code de triche. Je pense qu'il avait dû partir aux toilettes pendant qu'il jouait en fait. Hein. Bon. Peut-être que dans cette deuxième partie, en fait, je pense que je vais un petit peu jouer en solo parce qu'en fait, il se passe pas énormément de trucs en fait. Hein. Donc, écoutez, je vais demander à quelqu'un de m'accepter. Alors, ça, tiens, proposer un nouveau groupe. Espérons qu'il m'accepte. Pour l'instant. Je vais essayer de rejoindre les autres. Hein. Lui, je m'en fous. Hein. Ah, tiens, j'ai... Maintenant, j'ai le sang froid. Bah, dis donc, ça, je savais pas. Alors... Ah, zut, c'est chiant, là. C'est vrai qu'ils sont assez chiants, quand même, les chiens. Hein. C'est... Anana. Encore ça va les chiens ils sont pas lapides hein. Même les ânes ils sont plus lapides que les chiens. Ok je suis rentré dans un repère hein. Bon je m'en fous limite hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir sur la carte. Des gens pas très loin. Et punaise ils sont loin les autres hein, la vache. Il est où? C'est qui leur mal machin là? Alors, je veux voir un truc. Est-ce qu'on peut faire des campements? Passer en bas dans ligne privée, quitter multijoueur. Ok. Je peux pas faire de campement, je peux pas faire de trajet express. Bon. Quelqu'un essaye de prendre le contrôle d'un territoire dans une zone où vous y êtes téléporté. Alléluia, enfin je vais tuer des gens. Après à peu près 10 minutes de vidéo, bon, allez, dans les 8 minutes ou 9, on verra. Environ 8 minutes et 47 secondes, on va dire. Hein. Donc là, les portails de transport sont placés dans la plupart des grandes villes. Waouh. Bon, moi pendant temps, je vais mettre à courir comme un handicapé. Dès qu'on va me voir, on va me buter. Là, je me dirige vers le gros cercle sur la carte. Alors. Oh putain, non, oh non. J'ai pas vu. Bon. C'est pas grave, j'ai essayé de recommencer et en faisant moins le kamikaze. Et j'ai essayé de me trouver en cheval. Non, 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 laisse-moi. Non. Pourquoi il fait que me tuer? Il m'a à peine vu qu'il me tue déjà. Oh là là. La drogue, je vous jure, la drogue. Et regardez où je n'ai marre. Dans les toilettes. Ah non. Je pensais que j'avais recommencé dans les toilettes.
Mais c'est un truc de malade. Les premières personnes qu'il voit, il les tue. Bon. Est-ce qu'il est loin? Je regarde. Non, ça va, il est pas loin. Ouais, c'est passé quoi là? Ok, je pense que j'ai dû être tué pendant que je regardais la carte. C'est pas grave. Pourtant, je vais grimper sur les barrières. Ouais, bon. Mais... Il m'énerve. Qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, où est-ce que je vais aller? Je vais essayer de trouver un endroit. Bon, en fait, à chaque fois, j'ai toujours tout droit comme un handicapé mental. Ça, mon problème, vous voyez. C'est que je réfléchis pas, c'est que je fonce, et puis ben, je le bute. Voilà. Enfin, j'essaye de le buter. On peut dire du tout. Bon. Mais... Ah, c'est lui, en fait, le point violet! Ah non, je croyais que lui, en fait, c'était le point jaune, mais non, en fait, le point jaune, c'est le territoire. Ok. Bon. Ok. Alors, je vais essayer d'aller à l'opposé à chaque fois de là où il est. Et donc, de le bourriner. Donc, qu'est-ce que j'ai comme arme? J'ai toujours les mêmes armes, mais je vais quand même prendre un fusil à pompe, je pense que c'est plus puissant. Non, non! Il était derrière. Bon, écoutez, je vais essayer de m'attaquer à quelqu'un d'autre, hein, parce que franchement, c'est un ouf ce mec. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Je pense qu'il utilise un code de triche, hein, c'est pas possible. J'ai demandé à quelqu'un de m'accepter, donc, dans son groupe. Écoutez, lui, je vais voter pour l'exclure, hein, parce qu'il m'a pas accepté. Je sais pas d'ailleurs si vous l'avez vu, donc écoutez, je pense que après je vais jouer en solo, hein, parce que c'est sûr qu'il se passe pas énormément le truc. Non, on est en train de me tuer là, pitié. C'est qui m'a tiré dessus? Non. Non, il m'a tué. Ce mec est un malade. Hein. J'ai beau être n'importe où, il viendra pour me tuer. Donc là, je vais tenter d'aller donc autre part, de tenter ma chance, autre part dans ma vie. Je vais juste essayer. Ah oui, ok, en fait, il utilise un code de triche. Je pense qu'il est intuable, en fait. Donc écoutez, je vais aller autre part. Il est invincible. Bon, est-ce qu'on peut se téléporter? Il n'y a pas un moyen de se téléporter parce que c'est vrai que sinon ça risque d'être assez long. Donc je sais quoi. Au pire, je vais me rediriger autre part parce que en fait, je crois que je suis en Amérique alors que tout à l'heure, en fait, j'étais carrément au Mexique et j'étais téléporté en Amérique. J'étais téléporté quand même à Donf. Hein. Bon. C'est vraiment pourri, hein, les montures que j'ai. On peut même pas se mettre à sauter. C'est hyper lent, quoi. Un âne, sérieux, qui va vouloir conduire un âne? Bon, écoutez, on va un petit peu, hein, se promener, donc, et après bah jouer un petit peu en solo, écoutez, hein, parce que c'est vraiment carrément le bordel, sans vouloir être vulgaire bien sûr. Là bas il y a qui? Ok, on va aller là-bas. Ah tiens, j'aurais d'ailleurs pu essayer de les tuer, eux, mais bon. De toute façon, je sais que les chevaux, quand on tire, les chevaux s'enfuient, donc du coup, on n'a pas le temps de monter, de leur monter dessus. Ah si, quoi que, là. Je vais essayer, attendez. Voilà, toi, crève. Ouh, j'ai réussi à avoir le cheval. Alléluia, alléluia. Maintenant, je vais essayer donc de me diriger vers mon repère. Ce qui m'énerve, c'est que personne ne veut m'accepter, quoi. C'est vraiment un truc de malade. Hein. C'est assez saoulant, je dois avouer. Bon. Qu'est-ce que je fais, moi? C'est sûr qu'avoir un, c'est sûr qu'un cheval, c'est mieux que un âne, on peut dire. Je pense juste à peine. Donc, écoutez...
Je vais bientôt m'arrêter pour le multi. Je referai un petit peu le multi plus tard dans le futur quand j'aurai un niveau mieux, on peut dire, hein, meilleur. C'est vraiment un niveau pourri. Hein. Et oui, je suis une demi-portion, c'est mon niveau. Attendez, ah, il y a une diligence là-bas. Est-ce que je peux essayer de me faire la diligence? Ah, zut. J'ai tué quelqu'un en même temps que quelqu'un m'a tué. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là pour le multijoueur. Hein. Ça a un petit peu été juste le speech du siècle, hein, mais juste à peine. Écoutez, je pense que je ferai quelques petites coupures derrière dans les montages. Donc je vais m'arrêter là pour le mode multi et à tout à l'heure. Re-salut à tous, et donc aujourd'hui on se retrouve pour le vrai, pour le pur Red Dead Redemption, là où je vais jouer en solo, et donc où je vais cesser de crever toutes les 10 secondes, hein. Regardez, ma superbe chambre, elle est trop bien, ouais c'est trop bien, attendez, parce que là j'ai mon lasso, j'ai envie de tirer sur la lampe, ah zut, t'en fais quoi, je tire sur le plafond, mais est-ce que je peux tirer sur la lampe? Bah non, écoutez, je peux pas. Car je n'ai pas rare de endommager mon chez-moi. Bon, à part ça, où est-ce que je vais aller? Salut! Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, écoutez, bah, je vais juste avancer un petit peu dans le jeu, écoutez. Ah, ou alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont mises à prix? Alors... Ah non, il y a un endroit où on peut payer nos primes. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Car j'ai fait pas mal de conneries, je dois l'avouer, dans ce super Mexique. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah. Je vais aller voir, vous savez quoi? Ma chaîne dit une chose. Des Santa. Voilà. C'est un des mecs du président du Mexique ou je sais plus quoi là. Alors. Oh, un âne. Est-ce que je peux manger sur les ânes? Ah non, non, c'est pas un âne. C'est une mule. Car tout à l'heure, en multijoueur, les montures, c'était des mules. Et moi, je croyais que c'était des ânes. C'est vraiment que les mules, c'est quand même assez pourri. Ah, attendez. Sur la carte, il y a une tête de mort qui vient d'apparaître. Donc, vous savez quoi, je vais aller me la faire. J'avais pas prévu ça, mais bon, écoutez. Je vais me le faire, hein. Ouais, allez. Je vais accepter la prime. Donc, on va voir où est-ce qu'il se trouve. Et on va se le faire, tout ça, le bâtard. Criminel recherché a été aperçu près de Baronsa. C'est où sur la carte, ça? Bon, ça va encore, c'est pas extrêmement loin. Ah, d'ailleurs, je viens de découvrir un truc dans le campement. Quand on fait le trajet express dans le campement... Et ben, on peut également, enfin, j'imagine que ceux qui ont le jeu le savent, hein, mais moi je viens de découvrir quand je suis qu'un débutant. Ben, on peut simplement se téléporter à notre père. Attends. Ah non, il y a un mec qui me propose un duel. Bon, je vais juste accepter le duel, après, je vais faire la prime. Hein. Alors. Je vais essayer de me le faire, et au pire, si je crève, c'est pas grave. Bon, j'ai jamais fait, par contre, de duel de mon existence brève et misérable, alors je vais essayer de me le bousiller, hein. On voit la tête de John Marston bien, bien griffée par des ours et tout, là, sur la tête de John Marston, j'avoue que ça fait viril. Voilà, j'ai visé trop tard. Je vous l'avais dit, c'est la première fois que je fais un duel, donc du coup, je suis mort, hein. Je sais pas le nombre de fois que je suis arrêté mort dans cette vidéo, mais bon. Ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Bon. Je recommence. Et cette fois-ci, je n'inquiète pas le duel. Le duel, je le ferai plus tard. Hein. Pour l'instant, je vais aller vers la tête de mort. Alors. Et puis, au moins, le truc de la prime, là, de la prime que j'ai pris, au moins, ça a été sauvegardé. Donc, là... Je vais m'approcher donc. Allez, j'y vais. Donc, est-ce que je suis le trait rouge ou est-ce que je me dirige directement vers le crâne qui représente donc le bandit?
Puis non, parce qu'en fait, le trait jaune est... le trait rouge est censé montrer un chemin. Et donc, si je suis pas, bah, c'est possible que j'ai affaire à des falaises et tout. Mais bon, c'est pas grave, là, regardez. Je me dirige bien vers le crâne. Je sais pas pourquoi le machin, il veut que je fasse tout le tour. Ça sert à quoi si je peux y aller directement? Ah non, c'est bon. J'approche du dernier endroit où le criminel a été vu. Donc, on va essayer de se le faire. Hein? Et quand je me le serai fait, bah, je sais pas ce que je ferai. Je sais pas. Bon. Est-ce que je ligote? Vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est... je vais essayer de tuer tous ses potes. Ceux qui ne valent rien. Et... de ligoter le criminel. Alors... ouais, celui-là il est mort. Ah, celui-là, il est derrière le rocher, j'attends qu'il sorte. Et chat. J'essaie de me ligoter, attendez. Voilà. Celui-là, je ligote. Allez, voilà. C'est bon, je l'ai eu. Maintenant, j'ai tenté de le ligoter, de le ramener à la loi. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah non. Qu'est-ce qu'il fout? Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Maintenant, je vais le ligoter. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je voulais ligoter. Et j'ai monté et je suis monté sur le cheval. Super utilité. Bon, maintenant j'ai transporté la victime et donc la ramener à ma chère destination. Et après, bah, j'essaie de me faire une petite mission de la quête principale. Allez, je suis à ma destination. Mon cheval, il est par là-bas. Parfait. Là, je mets la victime sur le cheval et donc on va y être. Go! Allez. Ah, si, maintenant, du coup, hein, il y a plein de gens qui essayent de me sprinter. C'est pas grave, je vais essayer tous me les faire avec le sang-froid. Voilà. Celui-là, il est molle. Maintenant, je suis tranquille, même si j'imagine qu'il y a probablement d'autres méchants qui vont venir pour essayer de me cambrioler ma grand-mère durant mon trajet. Alors, quand même, la falaise qu'il y avait à côté, là. Wouhou! La vache. Bon. Ah, la drogue. Ok, d'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire après? Je vais me promener un petit peu. Tiens, je vais vous présenter un petit peu le Mexique. Appelez tout, hein. Ce serait peut-être cool. Ah, il y avait des méchants pas très loin d'ailleurs. J'espère qu'ils vont pas venir foutre le steak dans la ville. Alors... voilà, c'est par là qu'on rentre, il me semble. Et donc, bah voilà, je vais faire ce que je viens de dire que j'allais faire, déposer la victime aux forces de la loi pour gagner plein d'argent. Oh yeah. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Combien d'argent j'ai gagné? Oh, 160 $! Bah c'est cool, maintenant j'ai 1060 $, car avant j'avais 900 $, maintenant j'ai 1060 $. Vous avez obtenu un trophée, la clémence paye. Ok, en plus j'ai gagné 200 de valeur, écoutez c'est génial. Maintenant je vais aller où? Je vais aller à un endroit assez beau, tiens. Ouf. C'est où qu'il y a des espèces de canyon d'ailleurs? Je vais essayer de trouver l'endroit. Et sinon pour lui là je vais faire quoi? Je dis pas que le problème c'est que si je fais une mission avec ce mec, j'ai peur qu'elle dure trop longtemps, donc que la vidéo soit trop longue, donc je sais pas trop ce que je vais faire en fait. Donc déjà là je me dirige. Attendez. Oui c'est bon, je vais bien à un endroit où je pense qu'il y a des canyons. Et au lieu d'y aller directement au cheval pour pas perdre de temps, je vais tout simplement faire trajet express pour pouvoir me téléporter, et je peux pas le faire de campement ici malheureusement.
Le trajet express, évidemment, c'est aller du campement. Na 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 na. Allez, mais que t'es le merana. Ça veut rien dire ce que je dis. Oh yeah. Bon. Ici, je peux faire un campement. Oui, je peux. Ok, génial. Alors. Trajet express. Voyager vers le repère. Attendez, quelle heure est-il, ma montre? Ok, d'accord. Il est 18h51. Ah non, maintenant il est 18h52 maintenant. Pas dans le jeu, hein, dans le monde réel. Ok, vous voyez, c'est très pratique, hein, le trajet express. Ça permet de ne pas se taper tout le trajet. Hein. J'avoue que j'ai assez la flemme, moi, à chaque fois, en fait, de faire tout le trajet. Donc, on peut tout simplement se téléporter. Est-ce que je peux aller là sans me mettre à glisser sur la pente, à votre avis? Non, je vais pas prendre le risque, Ah, c'est bon, j'ai réussi à monter. Ah, c'est bon, il y a un chemin. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique, je trouve. Hein, c'est ça qui est assez génial, je trouve, dans le Mexique. Bon, est-ce que je m'arrête là? Car si je m'arrête là, la vidéo sera de 25 minutes si je m'arrête maintenant là. Sans compter générique et tout, mais... Alors... Oh, je peux tuer les oiseaux. En plus, c'est des tout petits oiseaux dans le monde réel, ça n'a pas été si facile que ça à viser. Allez, je le tue. Aucune pitié, moi j'aime pas les pigeons, ils m'énervent. Alors du coup, bah j'ai tué tous. Hein. Je vais faire le tir aux pigeons vite fait, voilà. Voilà, avec le sang-froid, c'est plus efficace. Ah, c'est quand même assez beau, hein. Regardez-moi ça. Ah, non, non, non. Ouh là là. Oh la vache. Enfin, la vache, c'est juste de l'eau, mais c'est assez les graphismes de ouf, quand même. Hein? Bon. Je vais m'arrêter sur un lever de design sympa. Je vais aller tout en haut. Allez, grimpe, je peux pas glisser dans l'eau. Oh là 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 là. Je vais crever, moi, je vous dis. Hein. Je pense que c'est plus prudent que je monte par le petit chemin. Voilà. Voilà. Il faut monter par le petit chemin. C'est les règles du code de la route. Donc, je vais tenter de monter ici. Dommage, je peux pas. Bon. Écoutez, c'est pas grave. Je vais essayer de trouver un beau levier design magnifique ici qui pourrait servir de miniature pour ma vidéo. Tiens. Alors... Voilà. J'essaie de trouver un angle, voilà. Comme ça. C'est stylé, comme ça, voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Ah, je vais donc... Et donc, j'espère que cette vidéo, évidemment, vous aura plu. Même si le mode multijoueur a dû être probablement un petit peu trop long. Car je faisais que de me faire buter toujours par les mêmes gens. Hein. Et donc, écoutez, on va s'arrêter là. Et donc, au revoir et à la prochaine. Vidéo.